Lorsque je vois Dieu nous répondre à notre prière en nous donnant des enfants, alors na lobaka esika wana vraiment ya preuve ya kolaxa ke nzambe na biso azali a. Je dis souvent que ça c'est une preuve et que Dieu, notre Dieu, est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Mon kitoko boy. Un beau bébé. Nzambe oyo. C'est Dieu. Soki na moni mwa sina zemi. Onganoko banga nzambe soki na moni mwasi kobota soki na moni mwasi na zemi soki na moni mwasi kobota. Amen. Amen. Boyembite yango na kati. Vous n'avez pas chanté, pourquoi j'ai arrêté? Est-ce qu'il y a la paix? Tout va bien? Je vois que tu t'es embelli encore davantage. C'est bien, frère. Ouais, c'est bien. Alléluia. Que Dieu soit loué. Est-ce que tu vas plus? Non, papa, je ne mange pas. Tout ça. Papa, je ne mange pas. Ça fait une deux semaines, je ne mange pas. Ah, comment il collait là? Je ne mange pas. Elle pleurait parce qu'elle ne mangeait plus. Oh. Parce que le bébé avait pris toute la place. C'est un sujet de joie. Alléluia. Dieu est vivant. Toi, la femme qui est au milieu de nous, tu cherches des enfants. Tu cherches des enfants. Je te demande que tu puisses mettre, tu puisses espérer à Dieu, espérer en Dieu. Ça va? Donne-moi d'abord ton nom. Angèle. Angèle. C'est pas toi qui étais venu me voir ici? Oh my God. Oh mon Dieu. Amen. On ne va le faire. Il n'échoue jamais. Je t'avais cherché. Je me disais, mais où est-ce que je vais retrouver cette femme? Parce que je ne me rappelais plus de ton prénom et je n'avais pas ton numéro de téléphone. Acclamons pour le Seigneur. Aujourd'hui, je veux prier le Père en cet instant pour que toute femme qui se trouve en ces lieux cherchant des enfants, que le Seigneur l'exauce. Amen. Amen. Qu'il agisse auprès de toi comme il a fait pour nos sœurs. De quel sexe est cet enfant? Une fille. Tu l'as donné quel nom? Daniela. Daniela. Alléluia. Tu es vivant. C'est une fille encore. Eh, comment on peut dire? Hein? Uriel. Uriel. Et l'ingola bani. Qu'est-ce que ça va dire, Uriel? Ange. Ange Uriel Azalaka. Yeah. Est-ce qu'un ange nommé Uriel existe? Ah. Dieu est ma lumière. Ça, c'est bon. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Tu es vivant. Parce que je ne connais pas toutes choses. Hein? N'est-ce pas? Dieu est ma lumière. Daniela. Dis-moi un peu. Tu nous avais témoigné ici. C'était quoi encore? C'était à propos de quoi? On t'écoute pas. Oui, expliquez-moi mon kekaka. Nala jour moko na loti na église pour avec deuxième fois na culte. Ça dit que na lali na loti pasteur azo pesanga maxi cosi. J'avais rêvé que j'étais dans le culte et le pasteur me donnait un maxi cosy.
Mais pasteur, nous avons fait un maxi. Je me suis dit, mais. En 2014, je me suis posé cette question, mais comment ça se fait que le pasteur me donne un maxi cosy qui est vide? Et il m'a répondu, il a dit, vas-y, prends-le, parce que 2014, tu vas avoir un enfant et tu mettras cet enfant sur ses sièges. Tu as dit, le pasteur a bien dit, il y avait beaucoup de femmes qui étaient là devant et il avait remis le maxi cosy à moi. Alléluia, Dieu est vivant. Après, j'ai fait le test de grossesse, c'est négatif. Or, lorsque je suis réveillé de ce rêve, je me suis dit que ce n'était qu'un rêve parce que je voyais qu'il n'y avait rien. Et je dis que c'est juste un rêve. Je n'ai pas fait attention à ça. Et après, j'avais fait un test de grossesse qui était négatif. Nazo continue que mon règle est normale pendant 3 mois. Après, une fois, Nazo qui n'attendo, Nazo qui a bien été dans mon malaise, Nazo ça a su test. Ils ont passé plus de 3 semaines. Mais plus de 3 semaines, comment ça, Nazo, mon règle est normale. Après, Nazo une copine, Nazo a expliqué une autre Anna. Copine, Nazo pas, il monte même en église Oyo. Il y a beaucoup qui m'a pas ça, ma sœur, ma fille. Après un temps, j'ai continué à mener ma vie normalement. J'avais encore mes règles, mais 3 semaines après, j'ai refait encore les tests. Et on m'a dit que j'étais déjà grosse. Ça fait déjà 3 semaines. Moi, je dis, mais comment ça se fait? Je vois mes règles et puis que je sois grosse. Et j'avais expliqué le rêve que j'avais fait à ma copine, celle qui m'avait amené dans cette église. Et copine, elle m'a dit, non, va d'abord à l'hôpital, mais il faut aller encore et voir le pasteur. Elle m'a dit, ah, il faut s'en doute dans l'autre qui a été, mais il y a un monde qui a imaginé ça habiter. Et ça, réel, yo kendo mona pasteur au soanaye, au kendo pour sa échographie. Quand je suis partie en échographie, j'étais déjà enceinte de 3 mois, je ne savais pas. Et c'était le bébé. Acclame pour Jésus. Alléluia. Dieu est vivant. Ces acclamations-là ne sont pas bonnes. Plus que ça. Alléluia. Dieu est vivant. Viens. Yo. Lorsque Dieu choisit les personnes, et ces personnes se posent souvent la question, lorsque nos miracles arrivent, le livre de psaumes nous dit c'est comme dans un rêve. Prends cet enfant. Thank you, Lord. Acclamons le Seigneur. Merci, Seigneur. Tel que tu as porté cet enfant dans tes mains, Jéhovah, Jésus-Christ, est le même. Azal olenge moko. Hier, le biel est qui? Aujourd'hui, les lots. Éternellement. Ce qu'il a fait en cette femme, cette année, cela arrive vers toi. Cette année même, cela arrive vers toi. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est bon. Lorsque tu étais venu à la délivrance, c'était une forte délivrance qui s'est passée ici. Tu te rappelles? Tu ne te rappelles pas? C'est moi qui se rappelle. Je me rappelle de ça. Lorsque tu es revenu pour me rencontrer pour la première fois, lorsque tu m'as vu pour la première fois pour me dire ces choses, comme déjà 5 mois, je crois. La grossesse avait 5 mois déjà. Je partais tout le temps à l'hôpital. Chaque semaine, je suis à l'hôpital 2 fois, 3 fois. Attention, il m'a ma maman, les hôpitaux. Vous avez un problème, mon corps. Je crois que ceux qui n'ont pas sanité, ceux qui. Vous avez qui. Non, ça va avorter. Hein? Oui. Bon, ça va. T'as bête de quoi? Nous acclamons pour le Seigneur. Zamba, zamba, l'âme. Dieu est bon. La lingui, moi, na oyo. J'aimerais que cet enfant soit une bénédiction. Alléluia. Dieu est vivant. Moi, si moko.
Une femme dans la salle pourrait venir encore porter cet enfant. Sinon, vous allez vous précipiter ici. Et pourtant, j'ai dit juste une femme. C'est un symbole. Même toi, si tu places ta main là où tu es, sur ton ventre, Dieu, reste là, mais c'est ma... ici. C'est fini. Hein? Prends cet enfant. Cela veut dire ce qui s'était passé sur elle va se faire aussi en toi. Nous acclamons pour Jésus. Toutes les femmes, toutes les femmes qui sont venues ici en pleurant pour que Dieu puisse vous donner des enfants, posez cet acte de foi, posez votre main sur votre ventre. C'est le Seigneur qui agira. Pasteur Tony n'a rien à faire. Amen. Amen. Si tu crois, cela se fera pour toi, s'accomplira. Elle avait rêvé qu'elles étaient nombreuses ici, mais j'avais donné le Maxi Cosi qu'à elle. Il y a Mercedes, il y a BM. C'était quelle marque? Maxi Cosi. Alléluia. Dieu est vivant. Pose ta main sur ton ventre. Pendant le temps que moi je vais prier pour ces enfants, toi garde ta main sur ton ventre. Amen. Amen. Vous les mamans qui êtes venues ici, vos cœurs, c'est Dieu qui le sonde. Vous avez besoin des enfants. Que Dieu vous exauce. Et qu'il donne des enfants à vos seins. Si c'est des jumeaux. Si c'est des triplés. Si c'est des signes. Si c'est un seul, merci. C'est seul le Seigneur qui sait. Et vous aussi, les femmes qui avez posé vos mains sur vos ventres. L'ange, c'est quoi le nom de cet ange? L'éternel est ma lumière. Dieu est ma lumière. Dieu est ma lumière. Que Dieu, ma lumière, puisse arriver aussi auprès de vous. Que Daniela puisse arriver auprès de vous. Daniela, dame de Dieu. Qu'elle arrive aussi à toi. Alléluia. Dieu est vivant. Zambé, Dieu qui puisse se souvenir de ce ventre, c'est ce sein. C'est comme le chromosome de Kamati, Daniel, m'a multiplié, Bango Bele, Bazo Pesa, Naba Iriel, Bazo Pesa Kabangona Bat. C'est comme s'il y a une multiplication de Daniela et d'Uriel et on est en train de les distribuer ici. Banda Lelo. À partir d'aujourd'hui. Zela Oyayo. Attends pour toi ce qui est à toi. Tu te tiendras ici. À partir d'aujourd'hui, attends aussi ce que le Seigneur t'a donné. Tu viendras nous le montrer ici au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, attends ce que le Seigneur est en train de te donner, que cela t'arrive et que tu te tiendras ici. Je t'attends de te voir ici avec un enfant. Je t'attends de te voir ici avec Amen. Un enfant. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. J'avais un problème d'endométriose. Le mercredi, je devrais voir le médecin pour déterminer la date d'opération. Avant d'y aller, je vis papa. Il a prié pour moi. Et vendredi, je suis allée voir le médecin. Quand il m'a vu, il me dit, « Ben, qu'est-ce que tu es venu faire ici ?» J'ai dit, « Ben,
Tu m'avais dit que tu devrais m'opérer, alors je suis venue prendre la date d'opération. Il entre dans l'ordi, il me dit, en voyant tes résultats, il n'y a rien. Je t'avais dit, on ne t'opérera plus. Le Seigneur m'a exaucé. De la manière qu'il m'a exaucé, et c'est de la même manière que le bébé arrive auprès de toi. Telle qu'elle elle a écouté, elle t'a exaucé de la même manière qu'il vous exauce aussi. Que le Seigneur bénisse. J'attends dans peu. Dans peu de temps, tu te tiendras ici avec un bébé, mais avant, nous verrons d'abord un ballon. Amen. Et maintenant, toi qui es mince, on ne sait pas comment, merci. Quelle forme aura ce ventre. Acclamons le Seigneur. Dieu vivant. Nous voulons bénir ces enfants maintenant. Uriel. Je te bénis aujourd'hui de la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Je tourne ta face devant Dieu. L'ange de l'Éternel. Et je dis que l'ange de l'Éternel il ne s'éloignera jamais de toi. Parce que la main de l'Éternel est venue sur toi. Ce vrai Dieu sera la lumière de ta vie. Tu as ouvert une voie dans cette famille. Tu es une bénédiction pour l'église de Jésus. Et puis pour les nations. Tu es la tête et non la queue. Tu es la joie de l'église. Tu es le bonheur du royaume des cieux. Je te bénis. Que cette maman qui t'a porté dans son sein soit bénie. Que le papa que Dieu a utilisé soit béni. Il ne manquera pas de l'argent. Afin que ta vie soit bien gardée, que cela soit bien bâti. La main de mon père est sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Christ. Na pambolio. Je te bénis. Tu es béni. Alléluia. Amen. Daniela. Daniela. Nazo pambola yo. Je te bénis. Na li pambolio Abraham et Isaac et Jacob. De la bénédiction d'Abraham, d'Isaac au et de Jacob. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Christ. Daniela. Daniela. Yo kozala lokola Dan. Toi tu seras comme Dan. Tant serpent koya, lorsque le serpent viendra pour chercher à attaquer Israël, toi tu écraseras la tête de ce serpent. Voilà, ozali force. Voilà, tu es une force. Comme sentinelle. Et comme sentinelle, y a peuple ensemble. Du peuple de Dieu. L'esprit du Père sera sur toi. Tu seras une grande armée. Tu ne reculeras jamais. Tu es une source de bénédiction. Tu es la joie de l'Éternel. Je te bénis aujourd'hui. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Qui se tient devant la face de Dieu. Il ne manquera jamais de te regarder. Devant Dieu, de te présenter devant Dieu. Tu as été combattu. Ceux qui t'avaient combattu, tu les as vaincus. Sois protégé, gardé par le Seigneur. Et que la main du Seigneur se manifeste en toi. Je te bénis. Que ce papa soit béni. Parce que Dieu l'a utilisé. Que cette maman soit bénie. Parce que Dieu l'a exaucé. Que la grâce de Dieu soit sur en vous. Et que la paix du Seigneur puisse vous conduire. Et qu'il vous donne le moyen à prendre soin de tous les enfants que vous aurez. Tes yeux sont en train de me regarder bien fixe. Tu es béni. Au Pambolami. Au nom de Jésus. Même si tu es une fille, que tu utilises, tu sers Dieu comme moi je l'ai fait. Uriel, Uriel, tu es béni.
Nous acclamons pour Jésus. Attends un peu. Prions. Ferme les yeux là où tu es. Tata. Père. Yo kangali susu. Écoute-moi encore. Yo kikingai na ba mamoy. Tel que tu m'avais écouté pour ces deux mamans. Tata. Père. Toute femme ici présente, certains d'entre eux sont restés longtemps et n'ont même plus l'espoir d'avoir des enfants. Aux yeux de médecins, ils disent que c'est trop tard. Tata. Père, au nom de Jésus, si auprès de toi cela est devenu trop tard, cela prouve que tu n'es pas Dieu. Mais si auprès de toi, nous sommes venus avec notre trop tard, nous recevrons la bénédiction. C'est alors que nous allons te glorifier et nous citerons ton nom comme Dieu. Tu es le Dieu qui ne vient jamais en retard. Et tu ne te fatigues de rien. Merci Seigneur Jésus. Je dis encore ceci l'Église. Pour que vous croyiez que le Seigneur nous a exaucés. Contrôlez bien cette année. En cascade, ma bénédiction. Il y aura des bénédictions d'enfants en cascade. Des jumeaux ne manqueront pas. Comme signe. Nous acclamons pour lui. Merci, vous pouvez partir. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est bon. Versez tous vos dons dès aujourd'hui pour l'achat du centre international du ministère de délivrance et de guérison sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Sans oublier de mentionner la communication achat bâtiment. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par mail sur info@tonysilassi.be ou au numéro qui s'affiche à l'écran. Que Dieu vous bénisse.